ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយនៅរុស្ស៊ីនេះយើងនឹងធ្វើសំណាកាដោយស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញ Stephane Hessel ដោយការចូលរួមពីចម្ងាយ Monsieur le Président, nous entendez-vous? លោកប្រធានតើលោកស្ដាប់យើងខ្ញុំឮដែរឬទេ?បាទខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយ.តើលោកអ្នកជំនាញមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?Vous entendre? Quel âge avez-vous, monsieur l'expert? 91 ans. ខ្ញុំមានអាយុ 91 ឆ្នាំហើយនឹង 6 ខែ តើលោកអ្នកជំនាញមានទីលំនៅសពថ្ងៃនៅទីកន្លែងណា Quelle est votre adresse actuelle monsieur l'expert Ma adresse actuelle Mon adresse actuelle est à Paris, dans le 14e arrondissement, 6 rue Antoine Chantin. តើលោកអ្នកជំនាញតើលោកមានចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិប្រពន្ធជាមួយនឹងភាគីនៃរឿងក្តីដែលអង្គជំនះឡាតបូងនៃអបតកកំពុងតែដំណើរការនេះដែរឬទេ Non, je n'en ai pas. ឆ្លើយ ទេមិនមានទេលោកប្រធាន ក្នុង នាម លោក ជា អ្នក ជំនាញ អង្គ ជំរះ តម្រូវ ការ ឲ្យ លោក ធ្វើ សម្បត្តិ នៅ ចំពោះ មុខ អង្គ ជំរះ មុន នឹង ផ្ដល់ សក្ខី កម្ម ពី ភាព ជំនាញ របស់ លោក តើ លោក យល់ ព្រម ដែរ ឬ ទេ Oui ឆ្លើយ បាទ លោក ប្រធាន កលាមជីកញ្ញាតាណាតាសារៀបចំឲ្យលោកស្តេហ្វិនហាសែលធ្វើសម្បត្តិតាមជំនឿសាសនារបស់គាត់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះ Bonjour monsieur l'ambassadeur. Je vais lire le serment en français. Bonjour. Veuillez répéter après moi chaque segment immédiatement. Je prête serment. Je prête serment. D'apporter mon concours. D'apporter mon concours à la chambre de première instance.
à la chambre de première instance. Fidèlement. Fidèlement. Confidentiellement. Confidentiellement. Et au mieux de ma compétence. Et au mieux de ma compétence. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Hessel. Je suis le juge Lavergne. Je vous indique qu'avant de vous entendre dans votre déposition, il est d'usage devant cette chambre de rappeler un certain nombre de données concernant votre biographie qui sont celles qui permettent de considérer que vous êtes qualifié pour venir déposer devant le tribunal. Donc je rappellerai que vous avez une longue carrière de diplomate, que vous avez été ou que vous êtes encore, je ne sais pas, ambassadeur, que vous êtes un ancien résistant. Vous avez notamment été déporté, arrêté par la Gestapo et déporté dans des camps de concentration, que vous avez participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour avoir travaillé aux côtés de René Cassin. J'ajoute que vous avez toujours des activités, que vous êtes membre, enfin, vous avez plutôt été membre de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, que vous avez de multiples décorations. Monsieur Hessel, vous avez été cité à la demande de la défense en qualité de témoin expert. Il a été indiqué par la défense qu'en votre qualité d'ancien résistant, ancien déporté, ayant travaillé ensuite à la réconciliation franco-allemande, vous apporteriez un témoignage sur le pardon. Alors, je vais vous laisser la parole. J'aimerais que vous nous indiquiez quelle est votre expérience du pardon, si vous avez une connaissance des faits qui nous concernent aujourd'hui ici à la chambre de première instance des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, et si en quoi votre expérience peut nous être utile dans le cadre du procès qui nous occupe. Voilà, je vous laisse donc la parole, M. Hessel. Monsieur le juge, vous me prenez un peu au dépourvu, mais je vais m'efforcer de répondre aussi exactement que possible à votre question. J'ai été en effet témoin des activités du tribunal de Nuremberg qui, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a jugé les grands criminels nazis. J'ai pensé à l'époque qu'un tel jugement pouvait permettre une reconstruction des relations
entre les pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et l'Allemagne nazie qui avait subi une défaite totale. J'ai pensé qu'il s'agissait là des débuts d'un droit pénal international qui, à l'époque, n'avait pas encore trouvé les textes internationaux sur lesquels elle pouvait s'appuyer pour juger à l'avenir des personnes qui se seraient rendues coupables de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité. Il m'a semblé que les événements du Cambodge dont nous parlons aujourd'hui caractérise clairement des crimes contre l'humanité et qu'il s'agit de savoir si un jugement comme celui que vous vous apprêtez à rendre peut avoir les mêmes faits ហើយនឹងការកាត់ទោសឬក៏សារក្រមដែលបំរុងនឹងចេញនោះវានឹងមានអនុភាពដូចគ្នាចំពោះការស្វែងទៅរកនៅការកសាងជាតិប្រទេសជាតិកម្ពុជាឡើងវិញ ដែលវាមានវិភាគទានដល់ការសះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រជាជាតិដែលទទួលជ័យជំនះនាការនោះនៅក្នុងលេខនេះដែរអារ៉ង់សាលក្រមអត់ជួតអេឌីផេនដង់ដែលអង្គជំនុំជម្រះរបស់ឯកបរណកម្មនឹងចេញនោះនឹងមានលក្ខណៈឯករាជ្យទាំងស្រុង Je vous remercie, Monsieur Hessel. Donc, si je vous comprends bien, la première condition, c'est que ce procès soit un procès équitable. Est-ce que au-delà, puisque votre témoignage est censé porter sur l'expérience du pardon, est-ce que vous pensez que sur cet aspect-là, nous avons des enseignements à tirer de votre propre expérience? Dans l'histoire du Cambodge. Il a l'air de prendre vis-à-vis des coupables
selon le jugement qui aura été rendu, une attitude de refus de tout pardon, ce qui est parfaitement le roi, ou de considérer que le jugement qui aura été rendu leur permet à eux les victimes de dépasser leur douleur et de reprendre un contact amical avec l'ensemble de leurs compatriotes, comme cela a été rendu possible après le procès de Nuremberg, entre les vainqueurs et les vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hessel. Je n'ai personnellement pas d'autres questions à vous poser. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues ou à M. le procureur. អលោកលោកត្រីចក្រមមានទំនួលអ្វីទេ ចម្លើយនៅថ្ងៃនេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំជូនលោកមានដូចខាងក្រោមក្នុងនាមលោកដែលធ្លាប់បានធ្វើជាអ្នកផ្សះផ្សាដើម្បីរកសន្តិភាពនោះតើលោកអាចផ្ដល់ដំបូន្មានអ្វីខ្លះដល់ជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះ conseil vis-à-vis de l'accusé ainsi que vis-à-vis des victimes par rapport à ce thème. Je n'ai pas très bien compris. Et si j'ai des conseils. Aussi bien que la défense puisse pleinement s'exprimer et que les victimes puissent également connaître les faits qui les ont gravement touché et sur lesquels le tribunal va devoir s'exprimer. Merci.
អរគុណលោក Hessel សំណួរទី2ជូនលោកឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍ដែលលោកធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះហើយលោកក៏ជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសម្រោះសម្រួលដែរសំណួរសួរថាតើលោកយល់ថាអ្នករងគ្រោះអាចទទួលបាននូវការសុំទោសពីជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែរឬទេប្រសិនបើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះមិនព្រមនិយាយការពិតនិងមិនព្រមបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទេនោះSur ce point, je suis satisfait de savoir que votre tribunal juge sur l'accusation, mais aussi sur la défense. C'est à elle qu'il appartient.អាយកាហើយក៏ផ្អែកលើមូលដ្ឋានរបស់មេធាវីកាពីផងដែរជូសេគីពើកុនឌឺរដើម្បីអាជូជមនោមម៉ោកព្លូសេវែរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចនាំអាយកាដេឡាគូជីក្រុមអាចនឹងចេញសាលក្រុមមួយដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់sa culpabilité en hait dal tha chun chob chot suffit naturellement score pirotthep របស់គាត់តាមធម្មតាមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ le pardon des victimes ដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះអាចនឹងអាចទទួលឲ្យគាត់នោះទេ une certaine considération de sa personne ជាការនាំទៅសំឲ្យឈានទៅដល់ការពិចារណាដែលបានផ្ដល់បញ្ជូនទៅដល់អ្នកទាំងនោះជាពិសេសទៅដល់អតីតកាលហើយនិងអនាគតរបស់គេខាងមុខនៅក្នុងការផ្ដល់សំអាងហេតុឬក៏បញ្ជាក់ហេតុផលរបស់ចៅក្រមនានានោះអរគុណលោក Hessel ខ្ញុំអស់សំណួរដើម្បីនឹងសួរទៅលោកទៀតហើយនឹងបង្វែរសំណួរបន្ទាប់ទៅជូនសហការីសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះD'abord, je voudrais dire, vous dire, monsieur l'expert Hessel, que c'est un honneur pour moi de poser quelques questions au grand résistant et à l'homme de paix que vous êtes. Et je n'aurai vraiment que peu de questions. Mais je voudrais vous demander quelles seraient les différentes étapes et les défis, selon vous, vers une réconciliation dans une situation de post-conflit telle qu'au Cambodge. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais quelle serait la place exacte d'un processus judiciaire dans ces différentes étapes ? Je vous remercie. Je pense que nous assistons ឆ្លើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានជួបប្រទះនឹងមើលឃើញនៅទីនេះគឺមានការវិវត្តដ៏ធំធេងមួយនៅក្នុងច្បាប់ប្រមទានអន្តរជាតិដូច្នេះជួបតែ des expériences des dernières années តែទាញយកបទពិសោធន៍ទាំងឡាយមកពីអតីតកាលដែលបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាថាយុត្តិធម៌ប្រមទានអន្តរជាតិ
qu'elle doit avoir en mettant au clair les horreurs qui se sont produites. នៅក្នុងការកសាងនិងដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់បានដឹងអំពីការភ័យខ្លាចដែលបានកើតឡើងពួកយើងអតីតកាលរបស់គាត់យើងណាឲ្យយើងស្វែងរកឲ្យមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់នឹងអត់ឱនទៅលើបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែក្រៅពីចំណុចនេះដំណើរការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការគួរតែមានអនុភាព ដែលវាអាចប្រៀបប្រដូចនៅអ្វីដែលគេធ្លាប់បានធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានន័យថាកម្មការនៅប្រទេសគេគេមានការបង្កើតទៅលើគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនិងឈប់បទប្បញ្ញត្តិដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងករណីនៅប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់មានន័យថាដើម្បីអាចឲ្យយើង ជាពិសេសប្រជាជនដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃរបបប្រតិស្លុតទាងអស់នេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបន្តនៅការទទួលបាននៅជីវិតសន្តិភាពរបស់គាត់នាពេលអនាគតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគាត់ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសដែលចារីមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនឹងបរិបទទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងមានចំពោះជនរងគ្រោះដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាមានការពិបាកណាស់ប៉ុន្តែការងារទាំងអស់នេះក៏វាមានសារៈសំខាន់ផងដែរ De pardon doit être manié avec la plus grande précaution, mais quelle peut se Et j'invoque à cet égard les écrits du grand philosophe français អនុវត្តបានទេប្រសិនបើវាមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំនិយាយអំពីការងារស្នាដៃរបស់ទស្សនវិទូមួយរូបដែលមានឈ្មោះផលរីខើតែស្នាដៃរបស់គាត់នឹងការលើកឡើងរបស់គាត់មានសារៈសំខាន់ទៅដល់ភាគីទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងនេះយើងត្រូវពិចារណាអ្នកដែលស្នើសុំអរគុណ Que la réconciliation au Cambodge est un très long chemin et qu'elle doit passer par la fin de l'impunité d'une part et la recherche de la vérité comme premier jalon qui ne peut donc s'agir simplement d'oublier le passé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Avec votre formulation. Chloé, nhóm vô sót từ lời chấm nói này chẳng sao đồng tại một đoạn đối tại xã hội nhà bàn lược làng. N'est pas acceptable. Ni toàn là phiệp thì dương mình ai tự tu dọc bàn nội tề. De réconciliation ne doit pas être rapide. Hai đầm là cá. Sạp sạp chết dương mình trâu thua dạng nào sau anh rốt nông phiệp. ตักกระหาลุเตตุบไว้กรณีนากะลอยเดจูลมากาซาซาจิตกูแต่มีการเปะปอนគ្នាอันนั้นการบําพลือទៅលើការชื่อจับทั้งหลายได้บ้านធ្វើឡើងចំពោះប្រជាជនលោកដេសម៉ាសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះចុងក្រោយ ne peut s'attendre ni exiger que les victimes ou les survivants du régime Khmer Rouge pardonnent à leur bourreau et qu'une réconciliation sous la forme de coexistence peut exister sans pardon.
Là encore, je souscris à votre formulation. Il est essentiel, en effet, que l'on ne s'attende pas à pardon de la part des victimes. Et que l'on aille vers une réconciliation nationale sans oubli les erreurs qui ont été commises. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'expert. J'en ai terminé avec mes questions, monsieur le président. ខ្ញុំពមៀនសំណួរបន្ថែមទៀតនោះទេលោកប្រធាន Bonjour Monsieur Hessel, Christine Martineau, avocat. Bonjour Madame. Et mon confrère Menki Kim. Nous sommes avocats de partie civile, le 28 partie civile. Et j'ai été, très content d'avoir entendu vos propos. Il est impressionnant de vous poser des questions. Je crois que les partis civils que nous représentons, mes confrères et moi, sont dans une situation extrêmement difficile, 30 ans après les faits. Nous ne sommes pas comme un Nuremberg qui a été un procès, j'allais dire, à chaud, où l'histoire est tout de suite passée, où les responsables ont été condamnés de différentes façons, on y reviendra peut-être. 30 ans se sont passés et aujourd'hui, enfin, l'impunité, grâce à ce procès, existe, va exister au Cambodge. Alors, vous avez répondu à pas mal de questions que nous voulions vous poser. Ces parties civiles qui ont fait l'effort, effectivement, de se montrer au grand jour, d'expliquer leur problème, leur conflit, leur affaire, leur affaire, depuis 1999, au moment où il a été arrêté, a reconnu sa culpabilité de façon générale. Bien, effectivement, ces parties civiles se posent encore des questions et on leur reproche souvent de ne pas être satisfait de cette reconnaissance de culpabilité. Premièrement, encore une fois, on se redit, mais il est important de savoir qu'ils estiment que l'accusé n'a pas donné, a laissé un petit voile, peut-être très léger, de 15% sur la réalité de ce qui s'est passé. Et ce voile, effectivement, pour eux, est extrêmement important parce qu'il faut le soulever. Sinon, la vérité, entre guillemets, bien évidemment, mais en tous les cas, la compréhension de ce qui s'est passé ne sera pas totale. Et c'est ce qu'ils cherchent ici. Alors, voilà la situation dans laquelle ils se trouvent. La question, elle est, vous y avez à moitié répondu, je crois déjà, sur cette reconnaissance de culpabilité. Les avocats de la défense
s'appuie ou en tous les cas ont produit un certain nombre d'éléments. Un que vous connaissez sûrement parfaitement, c'est la situation dans laquelle s'est trouvé Albert Speer au moment du procès de Nuremberg où il a plaidé coupable. Il a eu cette intelligence, ce courage, je ne sais pas. En tout cas, pour certains, c'était une stratégie, pour d'autres, c'était une réalité. Vraiment profond chez lui, de reconnaître sa culpabilité. Et effectivement, il a impressionné de façon très importante la défense, les juges, l'accusation et après de nombreux journalistes. Il a pour lui, Albert Speer, d'avoir été quelqu'un qui, avant même d'être arrêté au moment du régime hitlérien nazi, a eu quelques démarches positives, c'est-à-dire contre le régime khmer. Est-ce que vous pensez, dans les conditions actuelles, est-ce que la reconnaissance de culpabilité à elle seule est suffisante? Est-ce que simplement venir dire, eh bien oui, je reconnais les faits, j'en reconnais certains qui sont d'ailleurs établis, est suffisante pour que les victimes fassent effectivement ce dont vous parliez, c'est-à-dire ce chemin de vers la réconciliation, c'est pas l'oubli, parce que justement, ce procès est aussi la mémoire de ce qui s'est passé au Cambodge. Mais est-ce que spontanéité de la part de l'accusé et une aide, un soutien, effectivement, à ceux qui se préoccupent au tribunal de ce qui s'est passé, est-ce que vous croyez que les parties civiles pourront, elles, faire un chemin, sinon du pardon, puisque pour l'instant, elles ne peuvent pas pardonner dans la situation actuelle, mais c'est ce qu'elles ont dit pour la plupart, mais en tous les cas, vers la réconciliation. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Merci de cette question très importante sur laquelle nous pourrions, vous et moi, écrire tout un livre qui s'apparenterait à celui qu'a écrit Antoine Garapon dans le livre sous le titre « Ces crimes qui ne sont ni punissables ni pardonnables ». Je reprendrai l'exemple d'Albert Speer, qui m'est d'autant plus proche que l'action positive que Speer a eu à l'égard des malheureux qui se trouvaient dans le camp de concentration de Dora, où j'ai moi-même terminé la Deuxième Guerre mondiale, ដែលខ្ញុំក៏ជាប់នៅទីនោះដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកទី2លោកស្ពៀគាត់បានបង្ហាញថាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវពិចារណាទៅលើដែលគ្មានលាងចំពោះបុគ្គលដែលត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងជំរំប្រមុខដុំទាំងអស់នោះដូច្នេះនៅក្នុងគំនិត នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្ពៀគឺគាត់បានបោះជំហានធ្វើឲ្យទៅក្រមនៅតុលាការនូរ៉ឹមបឺកមួយសេវេកូសអូត្រេកូសអូត្រេសាក្យូសេមិនគិតហើយទៅដល់ជំនុំជាប់ចោតផ្សេងទៀត
Il puisse en être de même pour un homme qui a reconnu sa culpabilité, mais qui n'a pas apporté d'éléments clairs de l'opposition. Même si elles ne peuvent pas pardonner, peuvent tenir compte de la situation d'un accusé qui plaide coupable pour exiger d'une part que la responsabilité soit clairement définie et que disparaissent par conséquent ce voile dont vous venez de mention, après quoi elles pourront considérer qu'il leur appartient de prendre la décision de vivre ensemble avec tous leurs compatriotes. Pardon. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions. Stephane Hessel, khi bạn mê tivi hong cầm xuống, chỉ mê tivi đam mà đang rót vào bên đi phòng đáy, sôm xua sôm nua, tơ lục thả, lục biên bọt bị sao khang cạp sạc xả, làm bài phai lục cả, tơ lục khnề rư, bánh chi, ở ban rư có ban khắc, nấu cả cùng núm, tẹt tô nâng, ẩm bơ pro lai chỉ vật mà nuôi. នៅក្នុងតុលាការអវតកនេះក៏លោកកាំងកិច្ចយោហៅដូចគាត់បានលើកឡើងច្រើនដងហើយអំពីការសុំអភ័យទោសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរនោះគឺជនរងគ្រោះភាគច្រើនគាត់នៅរងចាំមើលថាតើ ការកាត់ទោសឬក៏ការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់តុលាការនេះថាតើលោកកាំងកិច្ចយោហៅដូចមានទោសក្នុងការចោទប្រកាន់ឬទេដូច្នេះក្នុងទឹកចិត្តជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺមិនទាន់ថាទទួលយកការសមអភ័យទោសនោះទេដូច្នេះសំណួរខ្ញុំសួរថានៅឆ្នាំ 1947 ដោយសារលោកបានចូលរួមនិពន្ធសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺចេញមកអំពីបទពិសោធន៍ដែលលោកធ្លាប់ជាអ្នកទោសឬអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលរងទុក្ខនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី 2រវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជារបប 1
miền ẩm bơ bờ lai chỉ vật mình chỉ tràn lục bàn đang hai thả nhà đất nòm Campuchia và chia thập tay bàn cho hạt lấy khả chế mùi nâng ông ca dạ về chi chiết sẽ đây ẩm pi sinh thị sinh nhà rứa cả thì ca sinh nhà ca tục sát ẩm bơ bờ lai bùi sát phòng đài cái một tiết miền ca sầm lấp rừng kêu nâu bờ tê Rwanda, riêng chuyên chiết hút tu nâng chút xích. Tiếng này có miền cáp sạp xa chiết rưu có xoay rộp sàn thịp hiếp tam rưu dạ ca cắt tốt vụ nẹ bộ phật rưu mê đặc non tổng nỗ đại. Để chân này khi nông niêm mê thủy đa mà nâng rộp ở bên ý xong ai lục chui bằng phư bằng tay thả. Bà sân chìa miền ở tia ho ca sầm lạp rừng kìl chìa tràn lơ tràn xa nó lơ bị phốp lục để bàn đăng bàn lưu hời. Hai pel về lia bản to mà tiệt che tè miên om pơ bờ lai bụi sa hư cọ bờ lai chỉ vật manu rồi biếp tam dạ đặc noa mà rồi bỏ rồi tên thì mui chẳng đi ta cả lực lang thì cô cả sạc sa chiết rồi cả sai lúc tiệt yết tiệt thoa làm bấy lúc bấm ban nó cả chong cùng nôm à kiện đi vì nâu tè chỉ cô cả mui ta ban chỉ tu tâu từ mục tiết đòi yết tè cô cả sạc sa tè tôn tè chỉ mui nè đặc noa đi ban chỉ bây giờ to tiệt đại rồi tè xong chơi lục miền và sạc. Maître, c'est une question très compliquée. Vì chỉ xong nụ môi của miền lạc nạc xong nụ mà đại lộ mê tư vi bằng xu một vô rõ mùi rốt đại miền bọn tư sọ nhằm trán đại vì chạy tốt tân nâng đồng nà ca bị vọt tớ nơi cân nông propon cho bác bà mật toàn ổn dạ chiệt phân tác vô rõ ní mần toàn bàn đăng bà lo âm bì sát thàn là phép chạy lẹt nơi cân nông bà tế Campuchia à la période Khmer Rouge pour pouvoir hay un peu rưu có robot khmer cơ hòm đại bàn cho lòng cắt mũ này donner une indication sur ce qu'il convient de faire bàn này thà cứ bùa rò mà nét đại quật mình bàn đấng ông pi chùm nói tên ổn này đồ chân này hỏi quật mình ác nị dây thà ta dừng thà phụ kế ban bà prít nâu ở vầy khlắc nâng nông bà tê rà bà lúc nâng ca dũng bì nịch mưa tà đò bà tê tàng lái đà bàn cà đáng nâng nông bì phụ lúc dương ban sắc xa một bì bà vật tê xa rà bà dương thà rốt bà tê nì mùi nì mùi miên lẹ cà nạc xâm bắt nâng lẹ cà nạc chạy lẹ rà bọc luôn international doit tenir le plus grand compte. Alors, il y a trois promotions entre les chiens. Quand tu as mis ta promotion, il y a un autre bon collègue là qu'on a tiens en ligne, il y a un autre qui t'a dit à la réconciliation que l'on a sa main nous que tout ce n'est pas une équipe sa chienne qu'en parallèle avec la notion de vérité. Ai cắt lang đòi miên cả anh ở Watt Rock khi từ nâng tu sân tiến này cả lít rồi đang nâng cả bật chiếu tiêu họ nơi có nông vật tế à bệnh khẳng tổ bốn nhưng khơi thả miên cả bóng cát cân nạ cầm mà cá xoay rộ cả bất nâng cân nạ và cân nạ cầm mà thì cá sạp xà chiệt faire disparaître la notion d'impunité hồi dương đăng dần cho bà qui ne peut qu'exaspérer dương mình bất chì mình ai bình la situation nơi toàn là phía là tì bình tái bà sân bà dương mình ai bóng dịch phối ở thà nà phía bình việc can tài miền phía ở khó tư ở khó tư une fois l'impunité dépassé par
les jugements nous pédagogues à តាមរយៈការជំនុំជម្រះឬក៏តាមរយៈការចេញសារក្រមពីតុលាការដែលសារក្រមនេះនឹងធ្វើការចេញនឹងសម្រេចទៅលើជនជាប់ចោតមិនត្រឹមតែមួយរូបនោះទេហើយយើងដឹងហើយថាបុគ្គលផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវយកមកជំនុំជម្រះផងដែរ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអាចបញ្ចប់បាននៅនិទានភាពនៅពេលនេះហើយដែលយើងអាចយល់ឃើញថាដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិយើងអាចពិចារណាហើយវាអាចកើតមានទៅបានដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយសារថ្មីការផ្សះផ្សាជាតិនេះមិនមែនថាវាទាល់តែជនរងគ្រោះគាត់ អភ័យទោសឲ្យនោះទេហើយការផ្សះផ្សាការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺវាមានន័យថាការកសាងនៅប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយសន្តិភាពសូមអរគុណលោក Stephane Hessel ខ្ញុំមានតែសំណួរមួយនេះទេសូមអរគុណលោកប្រធានបាទ អត់ជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាទៅវេទិកាពីក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរចំពោះអ្នកជំនាញហាសែលប្រសិនបើវេទិកាពីក្តីមានសំណួរត្រូវសួរហើយអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសពេលវេលា15នាទីសម្រាប់ការសួរនេះសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président, mais il faudrait peut-être essayer de rétablir l'image. Nous n'avions plus l'image de notre témoin à l'écran. Il faudrait peut-être demander au service technique de nous rétablir l'image. នឹងប៉ុន្តែយើងបានលើតែសម្លេងដូច្នេះហើយសូមឲ្យខាងផ្នែកសតទូគាត់អាចជួយចាក់ផ្សាយរូបភាពនោះឲ្យមានចលនាហើយប្រសិនអាចធ្វើទៅបានសូមដំណើរការរូបភាពនោះឲ្យវាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនដើម្បីឲ្យយើងវាអាចចងចាំទៅលើដំណើរការរបស់យើងផងដែរ ដែលខាងសតួសូមចាត់ចែងរៀបចំសូមកែសម្រួលនៅផ្នែកខាងបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យដំណើរការល្អហើយប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលមួយនាទីឬពីរនាទីសូមមេធាវីការពារក្តីអង្គុយសិនចុះចាំរៀបចំរីរត់សូមអញ្ជើញដំណើរការសួរទំនួលដល់ចំពោះអ្នកជំនាញ Nous devons résoudre un problème technique et pour l'information à la fois des parties et du public, nous allons avoir besoin d'environ 5 minutes.
Donc on a. Ça a été déconnecté. Et les voilà. Nous, nous les voyons et nous les recevons. Décalé maintenant. Deux fois. D'accord, et là ça marche. Monsieur l'interprète, est-ce que vous nous voyez? Bien. Est-ce que le tribunal a notre image? Il nous entend, est-ce qu'il nous voit? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Stephane Hessel, un très grand merci d'être avec nous dans cette audience. Ici, il est 14h30 et j'imagine que vous avez dû vous lever très tôt ce matin pour pouvoir répondre à cette convocation. Un grand merci. Comme vous l'avez compris pour les questions qui vous ont été posées jusqu'à présent par le bureau des procureurs et les avocats des parties civiles, on vous a beaucoup parlé des victimes et c'est bien normal de l'autre côté de la barre. Robert Badinter, vous connaissez bien, avait écrit dans le journal Le Monde qu'il ne fallait pas confondre justice et thérapie pour les victimes. Et Robert Badinter de dire que la justice pénale n'a pas pour mission d'être une thérapie de la souffrance des victimes. Et il y a peut-être effectivement une confusion que vous aurez sentie de la part de certaines des victimes dans, en tout cas, leurs attentes du procès. Je crois que de l'autre côté de la barre, M. Hessel, on n'a pas suffisamment insisté sur le fait qu'aujourd'hui, au Cambodge, dans ce procès, Duc est le premier des cadres Khmer Rouges à reconnaître publiquement sa responsabilité. Les victimes ont du mal à accepter quand il dit « j'obéissais aux ordres ». Et pourtant, il rajoute toujours, bien que j'obéissais aux ordres, ce qui est au demeurant une constante confirmée par tous les experts, il rajoute toujours, cela ne me disculpe pas et j'assume toute ma responsabilité et toute la responsabilité de ceux qui étaient mes subordonnés. Et pour être tout à fait clair, avant de vous poser mes questions, je veux vous donner connaissance de deux paragraphes de l'ordonnance de renvoi rédigée par les co-juges d'instruction
qui ont auditionné Duc pendant plus d'une année en présence des procureurs et les co-juges d'instruction concluent ainsi leur année d'investigation. Duc a toujours reconnu sa responsabilité en sa qualité de chef de S21 pour les crimes qui y ont été commis. Duc a régulièrement exprimé des remords aux victimes et à leurs familles, mais également aux anciens employés de S21 placés sous son commandement. Et les juges ajoutent en outre, Duc a volontairement coopérer au cours de l'instruction, se refusant à impliquer le moindre de ses subordonnés et à rejeter exclusivement la responsabilité sur les instances supérieures du parti pour s'exonérer lui-même. Confronté, disent les juges, à certaines incohérences relevées dans ses dépositions devant les co-juges d'instruction, il a indiqué qu'elles s'expliquaient par la peur et par la honte qu'il ressentait lorsqu'on lui rappelait l'histoire extrêmement douloureuse des crimes commis. Voilà, Monsieur Hessel, l'homme qu'avec mon confrère Maître Karsavout, nous défendons, Maître Karsavout, qui est lui-même un ancien prisonnier des Khmer Rouges, pour que vous compreniez la complexité de tout cela. J'ajoute enfin que dans le cadre de sa coopération avec la justice, Duc a accepté de participer à une reconstitution sur les lieux mêmes de S21 et également sur les lieux des tueries. À cette occasion, il a fait une bouleversante déclaration au parti civil dans laquelle il leur a dit « Je vous demande pardon, mais je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de laisser la porte ouverte. » Et les juges d'instruction ont noté dans leur procès-verbal de cette reconstitution pour la Cour, j'indique que c'est à la cote 48 barre de fraction 2, à la dernière page en français. Les juges ont noté qu'après cette déclaration, les partis civils, Choumey et Boumeng, font part de leur satisfaction. Alors, pardon pour cette longue introduction, mais vous avez très justement rappelé les commissions vérité réconciliation. Vous avez parfaitement rappelé que la nécessaire réconciliation passe par l'établissement de la vérité, et la première vérité que nous vous devons, c'est de vous dire oui, l'accusé a décidé de reconnaître ses crimes.
Ça n'est pas suffisant pour certaines parties civiles. Nous le respectons. Mais il a décidé de reconnaître ses crimes. Et il est, jusqu'à présent, le premier et le seul à le faire. Ma première question, monsieur Hessel, on a parlé de la réconciliation franco-allemande. J'imagine aussi qu'en Allemagne même, il y a certainement eu besoin que le peuple allemand se réconcilie avec lui-même. J'imagine que tout le peuple allemand n'était pas forcément derrière les tueurs. Pourriez-vous, pour le Cambodge aujourd'hui, nous dire qu'il est ainsi possible qu'un peuple se réconcilie avec lui-même? Cher maître, j'ai écouté avec la plus grande attention les mots que vous venez de prononcer. En ce qui concerne la réconciliation franco-allemande, il a fallu que les faits criminels dont s'est rendu coupable le gouvernement hitlérien ait été clairement rappelé au cours des assises de Nuremberg. Cela, pour moi, c'est la condition sine qua non d'une réconciliation. Les faits et tous les faits doivent être connus. Si l'accusé a contribué à faire connaître les faits, cela doit être pris en considération. Pour autant, un accusé qui se reconnaît coupable ne peut pas être jugé pour les crimes qu'il reconnaît avoir commis. Peut-on faire ensuite l'analyse de sa personnalité et avec le concours de sa défense, dans laquelle je reconnais volontiers votre talent, donner une conclusion à ce procès qui ne soit pas unilatéral. Il appartient pour moi au tribunal de peser en toute indépendance la nature et l'expansion du crime commis
non pas par lui seul, mais par les dirigeants de la fameuse période Khmer Rouge au Cambodge, avec les caractéristiques propres à cet accusé pour arriver à une conclusion qui doit avoir principalement pour effet de permettre la réconciliation indispensable dans un pays dont, me semble-t-il, nul ne peut dire exactement qui a été dans l'un ou l'autre des camps qui se sont confrontés il y a 30 ans. Merci. Vous avez parlé précisément de la personnalité de l'accusé et je voudrais en effet maintenant parler de l'homme. Les experts psychologues et psychiatres qui sont venus à cette barre ont rappelé que Duc, qui avant ces tragiques événements était un professeur apprécié de tous, Duc avait été attiré par le stoïcisme. Et depuis le début de l'instruction, Duc a expliqué au juge d'instruction que lorsqu'il était directeur de la prison M13, la prison où fut détenu François Bizot, il n'aimait pas ce qu'il faisait. Il n'aimait pas le rôle qui lui avait été assigné par ses supérieurs. Et Duc a dit au co-juge d'instruction, je me récitais pour tenir le coup. Les derniers vers de la mort du loup. Alors, permettez-moi, Monsieur Hessel, d'extraire ces derniers vers de votre livre de poésie Ô ma mémoire, livre dans lequel vous publiez précisément ce poème d'Alfred de Vigny. Ce dernier couplet. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes? Comment on doit quitter la vie et tous ces mots?
c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul, le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Je vous imagine vous le récitant, M. Hessel, car je sais que vous le savez par cœur. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, dit le poète au loup. Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté. J'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche, fait énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Voilà, M. Hessel, le poème que se récitait, les strophes que se récitait celui qui deviendra bourreau, pour strophes qu'il avait appris de son professeur de français et qui lui permettait de résister à la tâche qui lui avait été assignée. Pouvez-vous nous dire, M. Hessel, vous qui connaissez ce poème sur le stoïcisme, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce poème, notamment dans ces dernières lignes? Je suis naturellement sensible à l'évocation d'un beau poème, mais ក្នុងការបញ្ជាក់អំពីគំនិតនៃកំណាព្យនេះប៉ុន្តែជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្រាន់តែជាការដែលនៅសេចក្តីប្រាថ្នាមួយនៃវៃនិពន្ធអាល់ហ្វ្រេដដឹងតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅទីតាំងឬក៏ជំហរមួយដែលថា manifesté par l'accusé
que de dispenser des responsabilités dont il sait lui-même accuser. Merci beaucoup et je vous confirme que l'accusé a dit à maintes reprises devant cette chambre « J'accepte votre jugement ». Alors, justement, cela m'amène une autre question, Monsieur Hessel. Vous, qui avez traversé le siècle dernier et l'avez écrit dans un très beau livre « Danse avec le siècle », vous qui êtes en train de traverser le siècle présent, vous avez connu les situations les plus tragiques. On l'a rappelé tout à l'heure, vous avez vous-même été déporté. Et malgré cela, vous n'avez cessé de vous battre de par le monde pour les droits de l'homme. Est-ce que cela veut dire que malgré toutes les horreurs que vous avez pu voir et auxquelles vous avez vous-même été confronté, est-ce que cela veut dire que vous croyez toujours en l'homme? Oui, bien entendu. Je crois aussi qu'il est extrêmement difficile d'émettre un jugement à la fois juste et serein s'agissant d'une personnalité dont la complexité nous frappe avec évidence. Je fais parfaitement confiance à ce tribunal. Ainsi que la défense pour en tirer une conclusion équitable. Elle donnera ainsi un nouvel exemple à l'importance au début de ce siècle des avancées de la justice pénale internationale. Une dernière question, toujours à partir de l'homme. Les experts psychologues et psychiatres qui sont venus à cette barre, qui ont longuement rencontré l'accusé dans sa prison depuis 2 ans, on dit qu'il était passé d'une situation de déni à aujourd'hui une situation d'auto-accusation. Ils ont dit qu'il leur a demandé comment faire pour réparer. Ma question à l'humaniste que vous êtes, vous nous avez dit à ma précédente question que vous croyez toujours en l'homme. Ma question, à votre avis,
l'homme peut-il se racheter? Est-ce que vous croyez en une possible rédemption? Est-ce que ça n'est pas là le pari de la justice? Lorsque nous pensons à la douleur des victimes, l'imaginaire ne peut se débarrasser du souvenir de ce qui a été terriblement accompli par l'accusé. Je ne doute pas que l'accusé bénéficiera de ce qui aura été connu et dit de lui par ceux qui, depuis des mois maintenant, que la juste rétribution pour les crimes dont il se sait coupable. C'est peut-être, Monsieur Hessel, et je vous en remercie, la réponse qu'il donne lui-même à la question qu'il se pose, comment puis-je réparer? Il sait, depuis le début de ce procès, que c'est notamment en payant sa dette à la société. Et il l'accepte. Monsieur Hessel, je vous remercie vivement d'avoir partagé ces moments et ces réflexions avec nous. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Laissez-moi dire un mot encore ដែលលោកលោកស្រីនិងមេធាវីការពារក្តីដែលធ្វើការការពារនៅជន់មួយរូបដែលគាត់មានលក្ខណៈពិបាកចំពោះក្រិតកម្មដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តឡើងសូមអរគុណអធិការតនេះអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាទៅជនជាតិចោតដើម្បីមានឱកាសក្នុងការធ្វើការសង្កេតនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញប្រសិនបើលោកមានការមានបំណងសូមអញ្ជើញ Somme, Corrup, Lopetien.
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅរកព្រឹទ្ធាចារ្យ Stephane Hessel ខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលោកប្រធាចារ្យ Stephane Hessel ចម្ងាយដោយសេចក្តីគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវិញ្ញាណវិចារណញ្ញាណទាំងប៉ុន្មានដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពនេះវាជាមេរៀនដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំសូមគោរពទទួលដោយស្មោះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទឥឡូវនេះដំណើរការនៃការស្ដាប់នៅសិក្ខាកម្មសិស្សនៃជំនាញហាសែលឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកជំនាញហាសែលដែលបាន ផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញតាមការស្នើសុំនិងតាមការកោះអញ្ជើញរបស់អង្គជំរះហើយក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះលោកស្រីមេតាវីដែលនៅអមលោកជំនាញហាសែលដែលបានសម្រួលឲ្យដំណើរកិច្ចដំណើរការនៃការធ្វើសកម្មភាពពីចម្ងាយរវាងទីតាំងដែលទីកន្លែងសាក់សីស្នាក់នៅហើយនឹងជាមួយនឹងអង្គជំរះបានប្រព្រឹត្តបានល្អ ហើយអង្គជំរះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកជំនាញមកឥឡូវនេះដល់ម៉ោងទៅសម្រាប់អង្គជំរះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទប្រកាសសម្រាប់20នាទីគឺចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 30 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពសូមអញ្ជើញក្រោយចូល